fois, c'est moi qui prends la vidéo en main. Bon, ben, nous sommes en Dominique, on a loué une voiture et il est 9h du matin. On part en excursion pour voir tous les endroits du film Pirates des Caraïbes. Oui! Meilleur film du monde, si vous voulez savoir. Meilleur film du monde, au dire de Vincent. Et donc on a loué une voiture. Voilà, donc on observe d'abord une végétation vraiment luxuriante, incroyable de voir autant de verdure, tout est c'est vraiment fourni en palmiers, végétation. Des mangues en veux-tu en voilà, par terre même. C'est vraiment voilà, donc on est parti pour la journée. Voilà. Et on va essayer de faire des petites vidéos d'un. Ce matin, c'est donc pour les plans du film, donc on va essayer de ramener des petits souvenirs. Et on a loué la voiture pour 2 jours. Vous êtes contents les enfants? Ouais. Océane, je te vois pas. Voilà, ils sont contents. Et nous aussi. Et après, on va faire les cascades. Ouais. On va essayer de les trouver, les cascades. Ouais, les bains bouillonnants, on va essayer de les trouver, c'est pas évident, donc on a pris un plan que le loueur nous a prêté. Donc il faut savoir que nous avons loué pour 150$ ici le véhicule, c'est un petit véhicule, je crois que c'est un Suzuki 4 places essence, et on a déposé 500$ ici pour on n'a pas voulu déposer une empreinte carte bleue, donc on a préféré déposer des dollars américains qui équivaut à 185$ US. Voilà, ils nous les restitueront à la remise des clés. Voilà. Bon, à tout à l'heure. À plus tard. C'est pas les Caraïbes, hein? Le souffle de la mer. C'est ici. C'est ici? Ah Vincent, je peux vous dire que... C'est un petit truc, regarde là. C'est un... le truc qui se met dans les coquilles là. Il est quand même dingue. Pirates des Caraïbes, c'est vraiment un de ses films préférés. Waouh! Oh là là, on a l'impression d'être seul au monde là! Oh! Du sable noir, volcanique. Admirez ça, les amis! Dave, viens voir la arche! Hé! Hey, c'est pas là où il y a les pendus? Non, là, tu sais, il y a des pendus. Regardez-moi. On peut y aller? Non, c'est dangereux. Oh, c'est rouleau. Là, avec ta planche. Waouh, ta planche de surf. T'as vu ça? Mais là, il coule. Ah ouais, il est à 27-28, donc ça donne envie, hein. Bon, mais ça, c'est un des premiers sites. Le premier site. Ouais, sur la carte. Sur la carte. Donc, il y en a 6 au total. Ouais, ici, il y a le bateau. Ouais, là, ils viennent par là-bas, je crois, avec les camions du bateau. Ils vont se suivre. Et là, il y a le bateau, là.
On va dans quelle source là? Émeraude. Émeraude, non? La source émeraude. Comme la couleur de l'eau. À ce qui paraît. Vous l'entendez la cascade? On pourrait presque trouver des cèpes. Tiens, regarde. Les champignons. Tu manges là, c'est super bien? Hein? Tu manges là, ce truc? Non, j'en sais rien. C'est émeraude cool. Bah, t'es à côté? Bah, à côté, du coup. Je pense que là-bas, ça mène à où? À la mer, à l'océan. À l'océan. Et est-ce que tu penses que l'eau, elle est 100% potable? Ah, si elle vient de la source, oui. Tiens, regarde, ça, c'est les oiseaux qu'on peut trouver ici. Il y avait le même plat la dernière fois. Panaki, Blue, Ida... Bon, je ne peux pas lire l'anglais. Océan. La francinette. Hein? Ouais. Et Océane, elle est déjà en maille toute belle. Hop, 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 hop. Vincent, tes chaussures. Tu enlèves tes chaussures, j'espère, hein. Comment elle est bonne, Océane? Froide. Elle est froide? Normalement, la dernière fois que je suis allée à 10 degrés. Vincent. Elle est comment, Vincent? Elle est froide? Oui, là! J2 aujourd'hui de notre visite en Dominique où pour venir ici on a galéré, on est passé par des petits sentiers cabossés, mais un truc de dingue, vraiment un truc de dingue. Et là on fait notre deuxième cascade de la journée. Alors, c'est pas là où on va se baigner, j'ose espérer. Mais c'est vraiment la forêt vierge. C'est luxuriant, c'est au possible. Yeah. Putain, il y a un club là-bas, tu vois? Jaune là. Là, il y en a un deuxième. Ils sont aquatiques. Ah ben t'es, il y a des gens. Ah mais je pensais qu'on était seul au monde, mais non, non, non. Waouh. Beautiful. Magnifique. Je vous avais dit que c'était la plus belle. On finit par les plus belles. Oh. Waouh. On se croirait dans Jurassic Park. Non? Wow, deux cascades pour le prix d'une. Magnifique. Wow, c'est beau. C'est magnifique.
magnifique. Alors, Océane? C'est beau. C'est beau? Ouais. On y va, on va y aller? Oui. Oh là là. Waouh! Enfin, on l'a trouvé! Et franchement, on a galéré. On a vraiment galéré pour la trouver, celle-ci. Mais alors là, on en prend plein les yeux. Oh. Waouh, regarde-moi ça, Vincent! Oh, j'ai failli me casser la gueule! Oh là là! Oh, c'est majestueux! Oh. On y va? Ouais! On y va? Qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique! Franchement, nous avons beaucoup de chance. La nature dans toute sa splendeur. La Dominique, c'est une grande claque. Vraiment une grande claque. C'est... On revient 150 ans en arrière où la nature nous émerveille. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas une habitation. Rien pour dénaturer. C'est... On a beaucoup de chance. Et quand on voit cette cascade, c'est incroyable. Je ne sais pas si sur les images ça rendra quelque chose de vraiment sympa pour vous, mais on profite et on partage avec vous ce bonheur et ces découvertes. Nous sommes dans l'établissement de Chocolate Factory. Là, c'est climatisé tout et tout. Ouais. Oh, il fait frais, oui. Très frais. On est obligé pour deux raisons. Déjà, toutes les machines, vous imaginez, si elles, parce qu'elles marchent ensemble quand c'est la pleine saison et tout. Donc, ça génère beaucoup de chaleur. Et en plus, c'est là où on range nos stocks. Donc, déjà, température ambiante plus toute la chaleur générée par les machines, ouais. Ça fondrait. D'accord. Donc, cette grosse cuve que vous voyez là, là c'est le malaxeur. Donc, c'est deux pierres de granit, deux roues, qui vont tourner le fond de la cuve aussi, elle est en granit. Et en fait, ça va juste écraser les éclats de fèves de cacao pendant 4 jours. 4 jours ? Ouais. Ça fait un peu comme la roue du meunier. Bah, aussi. C'est ça, c'est le même principe. Ouais. Ah, d'accord. C'est le même principe. On attend ces 4 jours parce que du coup, on veut avoir la finesse. Ça, c'est un arbre de cacao. Ouais. Ok. Il y a un fruit là. Ouais. Ah ouais. Tu vois, regarde, c'est la gabosse. Elle a 2 mois seulement. Et t'as les toutes petites fleurs là. T'en as une qui est ouverte juste là. Tu vois, comme elles sont toutes petites et mignonnes. C'est ça qui va faire le fruit après. Ouais. C'est tellement petit. Et ça se transforme au bout de 6 mois en cabosse mature. Donc celle-là, elle est jeune. Tu vois, là, il y en a une qui est mûre, qui est jaune là. Ouais. Mais elle est toute petite parce que ça peut aller de cette taille-là à ça, quoi. C'est genre, ça peut être énorme, quoi, une cabosse. Oh. D'accord. Et lourd, et donc c'est pour ça que ça pousse à même le tronc. Ça, c'est un autre arbre ou c'est la fleur, la fleur rose. Ah non, non, ça c'est des ginger. Ah, c'est autre chose. Ouais. D'accord. Voilà. Voilà la fabrique au chocolat. Le présentoir où il y a toutes les variétés de chocolat. Et là, c'est les tarifs. Très raisonnables pour que ça soit artisanal. On va rentrer dans la forêt primitive. Les petites routes là, on longe la rivière, on est à la recherche de mangue, regarde les fruits, c'est fruits de la passion,
des bananes. Pff, en veux-tu, en voilà. Waouh les amis, un plan de vue magnifique d'où nous sommes. La baie est magnifique. Non mais t'as vu ça Vincent? C'est beau non? On va se rendre dans le petit village là-bas. Waouh, la cascade! Ouais, on n'est pas tout seul au monde là. Allez, on y va? Eh ben go hein. Attends. Thank you.
Faut dire que là, Vincent, il est comme un dingue. Lui qui adore le film Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes, on est sur la rivière où a été tourné le film. Et quel épisode du film a été tourné ici? Number 50. Le second? Ouais, le second film. Second one, yeah. Ok. C'est l'épisode numéro 2, Vincent. Ouais, oui. Ah, la sorcière. La sorcière. Ouais, tu vois. Ah, Vincent, c'est regarde. C'est la dame qui, tu sais, la sorcière qui fait. Yeah. Et les maisons maintenant c'est gratuit. Si tu veux rester là pour la nuit. Ah, tu veux aller dans la nuit? Les maisons c'est gratuit. Ouais. Mais les branches sont. Les racines sont énormes. Hein. Oh ouais. Énormes. Toutes les racines, les gros arbres et les mangroves. Elles cuvient. Racine, c'est vraiment incroyable. Ouais. Un bon collier. Ready? Yes. Ah ben voilà. Attention. Yes. Derrière. Il y a un nid là. Ouais, t'as vu le nid là? Ah ok. Bon ben on a fait le plein grâce à Elvis, on a fait le plein de mangue. On a 3 sacs de mangue remplis les amis. Le papa qui veut bien Dominique, tu dis à lui quand il va quitter la Martinique ou Guadeloupe, tu dis à lui quand il vient à Dominique, demandez à Elvis. Voilà. Donc voilà. Demandez à Elvis, il est formidable. Vraiment formidable parce que avec sa barque, il vous fait découvrir l'India River, déjà d'une. Et il s'avère qu'il vous amène dans les terres de ses cousins. Vous autorise à prendre des mangues, on a eu des ananas. Et surtout aussi, il nous a fait découvrir les feuilles médicinales. Il nous a fait sentir plein de feuilles qui permettent de guérir ou chasser les moustiques, etc. C'est très instructif. Voilà, donc sa barque, c'est Elvis. Et il se fera un plaisir. Il parle en anglais, il parle en français. Un très bon français. Et vous pouvez lui faire confiance. Voilà, c'était pour vous faire ce petit mot. Alors, les amis, nous sommes toujours en balade. Et pour ceux qui nous suivent, vous savez que nous avons, quand on quitte le bateau, qu'on va se promener, etc. On met l'arme de mouillage, même la nuit, etc. au cas qu'on dérape, et on laisse Starlink à bord, qui est donc l'arme de mouillage, est en relation directe avec Starlink. Et là, ça fait à 10 minutes d'intervalle, je viens d'avoir une alarme de mouillage. Alarme de mouillage, bateau 3 mètres en dehors de la zone, donc j'avais mis une zone de 59 mètres. Le rayon d'évitage, du moins dès que le bateau sortait de ce rayon, j'avais une alarme. Donc je viens d'activer également à distance Cam Eye. Heureusement que je l'ai mise pour savoir où en est le bateau, pour savoir si bon, apparemment fausse alerte, parce qu'il part pas au large. Il n'y a personne déjà. Il n'y a déjà personne à la barre pour nous le piquer.
Déjà, c'est déjà pas mal. Mais je me situe par rapport aux autres bateaux qui se trouvent le long du rivage. Donc, fausse alerte. Mais voilà, la technologie aide beaucoup pour nous rassurer. Vraiment pour nous rassurer. Donc, mais c'était pour vous faire une petite démonstration en live. Donc, on vient de l'avoir. Je viens d'avoir cette notification par SMS. Là, il y a moins de 2 minutes. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent partir loin, ça, on a 1h30 hein, quand même pour rentrer. On est toujours en Dominique. Mais ça permet de se sentir rassuré. Toutes ces petites applications technologiques qui permettent de partir un peu plus serein. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit topo à ce sujet. Mais on rentre quand même au bateau maintenant. Il est 15h30, il est temps de rentrer.